Bonjour, petite musique pour nous réveiller avec une petite vidéo qui va nous présenter, enfin qui nous a présenté le cours d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du réseau réciproque. Donc vous l'avez vu un petit peu en TD, vous demandez probablement d'où ça vient, à quoi ça sert, comment on le calcule. Voilà, bah, ça va être l'objectif de ce cours, c'est de vous présenter cette notion extrêmement fondamentale de la physique du solide. Donc le réseau réciproque, ça, c'est tellement fondamental que ça mérite son propre chapitre. Donc aujourd'hui, je ne vais parler que de ça. Et bonjour Léo, Bor, bonjour Kylian, bonjour Jules, bonjour Lise. Non, Lise n'est pas encore là. Voilà. Donc, cette vidéo, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre que... ce réseau réciproque, on peut le visualiser à l'aide de la diffraction. Donc voilà, si on met des atomes placés périodiquement et qu'on regarde comment une onde est diffusée et diffractée par cet arrangement périodique d'atomes, ce qu'on remarque, bonjour objet-objet, bonjour Siméo, ce qu'on remarque, c'est que les figures de diffraction, elle est périodique. Elle est périodique et cette notion de période, hein, c'est ce qu'on a vu pour le cristal, on va pouvoir lui définir un réseau. Et ce réseau, c'est ce qu'on appelle le réseau réciproque. Alors, peut-être revenir un peu sur les notions qu'on a vues la dernière fois. Alors, bon, on a eu quelques petits problèmes techniques, donc je ne sais pas à quel point vous avez réussi à suivre mon cours. Donc, je rappelle hein, que vous pouvez le suivre... tous mes cours sont mis sur YouTube, donc vous pouvez le regarder. Donc, petit rappel sur ce qu'on a vu. Donc, on a un réseau réel, hein, donc, ici, là. Donc, j'ai mis les vecteurs de base, A, B et C. Je rappelle que pour passer d'un nœud à un autre nœud du réseau, on va utiliser ce vecteur de translation qui est défini par une combinaison linéaire entière de ces vecteurs de base de mon réseau réel. Et l'idée, c'était de regarder quelle est l'amplitude diffractée par une onde incidente. Donc ici, cette onde, elle arrive sur ce réseau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un vecteur qu'on appelle un vecteur de diffusion Q, qui est défini par la différence entre le vecteur diffusé KF et le vecteur incident KI. Hein. Ce que je disais la dernière fois, c'est que dans toutes les équations, quand on calcule le déphasage de cette onde entre toutes ces mailles, par exemple, ce qu'on observe, c'est qu'on a toujours ce vecteur KF-KI qui apparaît. Ce vecteur KF-KI, c'est ce que j'appelle le vecteur de diffusion. Donc, l'objectif de la dernière fois, c'était de regarder quelle est l'amplitude de cette onde diffusée à un vecteur Q donné. Donc, imaginons que je mette un détecteur ici, là. Pas un œil, parce que c'est une mauvaise idée, mais par exemple un détecteur CCD, hein, à ce vecteur Q que je définis. Donc voilà, je me mets là, quand je me mets là, je définis un vecteur Q et je cherche à calculer l'amplitude diffusée. Donc ce qu'on a remarqué, c'est que cette amplitude, c'est la multiplication de deux termes. Un terme qu'on appelle le facteur de structure qui va dépendre de la nature et de la position des atomes dans une maille élémentaire, et un autre terme que j'ai appelé le facteur de forme, qui lui dépend de la structure périodique de mon solide. Donc c'est ce qui est important, c'est ce qui va nous donner de notre réseau réciproque. Alors, ce facteur de forme,
ce qu'on a vu, c'est que c'était la transformée de Fourier d'une fonction qui va représenter le réseau réel. Cette fonction, c'est un peigne de Dirac. Et donc, ce peigne de Dirac, hein, je rappelle, tac, va représenter la périodicité de mon réseau réel. Par exemple, à une dimension, les peignes sont séparés d'une distance A, de manière périodique. Donc, on fait la transformée de Fourier de ce peigne de Dirac. Ce qu'on observe à une dimension, c'est cette équation-là. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a cette intensité S de Q, hein, nous donne un nouveau peigne de Dirac. Sauf que ce peigne de Dirac, il a une périodicité qui est 2 pi fois l'inverse de la périodicité de mon réseau réel. Alors si je dessine mon peigne de Dirac, voilà ce que j'observe. Donc maintenant, je suis dans le monde des vecteurs Q, hein, donc dans le monde des 2 pi sur lambda, donc dans le monde des vecteurs d'onde. Donc là, ce qu'on représente, c'est un réseau dans l'espace des vecteurs d'onde. Et ce réseau-là, il a une périodicité, hein, comme je le disais, de 2 pi sur a, donc une fois 2 pi sur a, deux fois 2 pi sur a, trois fois 2 pi sur a, etc., etc. Et donc, on peut lui définir un vecteur de base de ce réseau. Ce vecteur de base, je vais le noter A étoile, et c'est le premier vecteur de mon réseau réciproque. Donc ce que j'observe, c'est que A étoile, il est parallèle à A, et que A étoile a pour norme 2 pi sur A. Et donc, ce qu'on va voir, hein, c'est que à trois dimensions, on va retrouver un petit peu ces relations. Là. Alors, ce réseau est donc ce qui veut dire, hein, si je reprends l'équation de départ, c'est que S de Q est non nul que quand Q est égal à un vecteur de ce réseau réciproque. Donc, par exemple, ici, si mon vecteur Q est égal à 2 fois A étoile, alors mon terme S de Q n'est pas nul. Et donc, mon amplitude n'est pas nulle. Donc, si je veux observer la diffraction, ce que je dois faire, c'est de faire en sorte que mon vecteur de diffusion Q, hein, soit un vecteur de mon réseau réciproque. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas mettre mon œil à n'importe quel endroit. Mon œil, je vais devoir le mettre à des endroits où Q est égal à ce vecteur, par exemple à 2 fois A étoile, à un vecteur du réseau réciproque. Si je le mets à un autre endroit, donc ça, je définis un autre vecteur Q, hein, ici. Si je le mets à un autre endroit, bah, je ne vais rien observer. Donc les seuls endroits de l'espace où j'observe ce phénomène de diffraction, c'est quand ce vecteur Q appartient à un réseau. Et ce réseau, c'est ce qu'on appelle le réseau réciproque. Alors ce n'est pas la première fois que vous observez ce réseau, hein. Il y a une autre manip que vous avez fait cette année. Si vous prenez un... Oups. Si vous prenez un réseau, cette fois-ci un réseau optique, et que vous envoyez un laser dessus, tic, 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 là-dessus, ce que vous avez observé, c'est une figure de diffraction qui ressemble à ça. Donc ça, c'est votre écran, et vous avez observé des taches de diffraction réparties périodiquement. Et donc là, vous définissez, enfin, vous observez directement le réseau réciproque, parce que ça, c'est ce réseau réciproque. Il a une périodicité, cette périodicité-là, qui va dépendre, alors je ne me rappelle plus exactement, en général, ce qu'on mesure, c'est l'angle, mais en tout cas, cette périodicité, elle va dépendre de l'inverse de la longueur d'onde. Pardon, de l'inverse de la période de mon réseau. Si ça c'est A, ça c'est 1 sur A. Voilà, donc ce phénomène, on l'observe que ce soit par la diffraction d'onde dans le visible, mais on peut l'observer aussi si on envoie un rayonnement X sur de la matière. D'ailleurs, c'est comme ça que Laue a imaginé cette expérience de diffraction du rayonnement X, parce qu'il avait déjà
l'expérience d'interférence et de diffraction sur des réseaux périodiques. Et il s'est dit, tiens, le rayonnement X étant un rayonnement plus énergétique, donc de longueur d'onde plus petite, quelles sont les choses qui ont la période adéquate pour diffracter? Et puis il avait un collègue minéralogiste dans le labo d'à côté. Et puis le collègue minéralogiste lui a fait, bah écoute, moi je pense que les cristaux, les solides, ont un arrangement périodique à l'échelle de l'angstrom. Et donc là, ouais, il a fait, bon, ok, arrangement périodique à l'échelle de l'angstrom, si j'envoie du rayonnement X dessus, j'ai peut-être observé de la diffraction. Et c'est ce qu'il a observé. Donc il a prouvé deux choses, c'est que le rayonnement X était était une onde. Et la deuxième chose, c'est qu'un solide était un arrangement périodique. Et donc ça a été le début de la cristallographie. Alors, le réseau réciproque, il n'est pas... Il est, comme je vous dis, il est utile. En général, il vous est présenté par ce phénomène de diffraction. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière, enfin la semaine dernière, à mon dernier cours. Et puis, c'est comme ça que j'introduis encore ici. Ce qu'il faut voir, c'est que ce réseau réciproque, c'est l'outil de base de la physique du solide. Donc, si vous voulez décrire la diffraction, vous allez utiliser le réseau réciproque. Maintenant, si vous voulez décrire les propriétés, que ce soit thermique ou électronique, d'un matériau, vous allez avoir besoin de ce réseau réciproque. Le réseau réciproque, comme je vous dis, est décrit des ondes. C'est dans un autre espace, c'est l'espace des vecteurs d'ondes. Donc, si je prends un matériau. Voilà. Si je prends un matériau et que je m'intéresse par exemple à un électron et comment cet électron va se déplacer dans ce matériau, bah, cet électron, je vais le décrire par une onde. On a cette dualité, hein, je vous rappelle ce que vous avez vu en quantique. Et cette onde, cas de l'électron, on va le décrire dans son espace dans l'espace de vecteur d'onde. Et comme on a une structure de mon solide qui est périodique, le réseau réciproque va avoir extrêmement d'importance pour décrire cet électron. On a vu aussi que si on veut décrire les propriétés thermiques des matériaux, on peut associer aux ondes de vibration des atomes des particules qu'on appelle des phonons. Par exemple, ici j'ai un phonon. Ce phonon, donc, on le décrit par une onde, hein, c'est l'onde de vibration. On va le décrire par un vecteur K. Ce vecteur K-là va être encore défini dans ce réseau réciproque. Donc voilà l'intérêt de l'étude et de la compréhension de ce réseau réciproque, c'est que ça nous permet de décrire toutes ces propriétés dans les solides. Donc, voilà. Alors, comment on peut définir... Ah, j'ai oublié. Pardon. Comment on va décrire mathématiquement ce réseau réciproque? Alors, je vais vous donner la définition, et puis après, on va partir de cette définition pour déduire des propriétés de ce réseau. Alors, la définition est la suivante. Donc, soit un ensemble de nœuds. Dans un réseau périodique. Donc là, je redécris le réseau réel. Je redécris le réseau réel. Donc localisé par un vecteur de translation UA plus VB plus WC. Je définis un vecteur G, vecteur du réseau réciproque,
par la propriété suivante, c'est que exponentielle de i g t est égal à 2 pi. Pardon, est égal à 1. Je raconte n'importe quoi. Est égal à 1. Cette définition, elle a un sens. Elle vient de quelque chose, en particulier du phénomène de diffraction. Je pourrais vous montrer d'où ça vient. Je vais aller un peu plus vite, hein. Donc je vais juste prendre cette définition. Et si jamais l'origine de cette définition vous intéresse, on peut en discuter plus tard. Alors, donc ça forme un réseau. Les vecteurs de base de ce réseau réciproque, les vecteurs de base du réseau réciproque, on va les noter A étoile, B étoile et C étoile. Donc ça, c'est la manière de décrire ces vecteurs. Ces vecteurs, ils vont vérifier la relation suivante. C'est que A étoile A est égal à 2π. A étoile B est égal à 0 et A étoile C est égal à 0. Et je peux par permutation circulaire faire B étoile. Donc B étoile A est égal à 0, B étoile B est égal à 2π et B étoile C est égal à 0. Puis le dernier, C étoile A est égal à 0, C étoile B est égal à 0, et C étoile C est égal à 2π. Ça fait comme une petite musique, je pense que ça doit vous endormir ce matin. Voilà. Donc, ce qu'on observe, quels sont les... Bah, ici, hein, si je regarde ces deux équations, A étoile est par définition un vecteur perpendiculaire à B et perpendiculaire à C. Donc ça, c'est la première chose. Donc, si A étoile est perpendiculaire à B et à C, je peux par conséquent dire que A étoile est collinaire à B vectoriel C. Puisque par définition, B vectoriel C est un vecteur perpendiculaire à B et à C. Si j'injecte cette dernière équation dans la première équation ici, A étoile A égale à 2π, voilà ce que j'observe. A étoile A, ça me donne K B vectoriel C, scalaire A, qui est égal à 2π. Donc, je vais le réécrire comme ça pour que vous le voyez mieux. Le produit scalaire étant commutatif, je peux écrire ça comme ça. C'est égal à 2π. Et que vaut ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un a une idée? Que vaut A scalaire B vectoriel C? Ouais, le volume. Merci Nils. C'est exactement ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le produit mixte. Hein. Et le produit mixte, sa propriété, c'est que il nous donne le volume de la maille formée par les vecteurs A, B. Et c'est donc le volume de la maille élémentaire. Donc, K, donc si ça c'est le volume, K vaut 2π sur V.
Et donc, ce qui me donne, si je remplace dans cette équation k par 2π sur v, ça me donne une autre manière de décrire, de calculer mon vecteur a étoile. C'est que a étoile, je peux l'écrire comme 2π sur v. Merci Kylian aussi, j'ai vu que vous aviez répondu en plus plus vite. 2π sur v, b, vectoriel c. Et donc, par permutation circulaire, j'ai b étoile qui est égal à 2π sur v. Donc je permute, hein, b devient c, c devient a. Et là, je permute b étoile en c étoile, 2π sur v, c devient a, et a devient b. Donc voilà une autre manière de calculer les vecteurs du réseau réciproque. La première et la deuxième. Alors, laquelle est la meilleure? Ben, ça dépend. Ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend ce qu'on veut faire. Alors, à trois dimensions, quand vous avez le calcul d'un réseau réciproque à trois dimensions et que vous n'avez pas un cube, l'utilisation de ces formules est bien plus puissante que celle-ci. Le problème de ces formules-là, c'est que on a un système d'équations où il y a 9, donc il y a 9 équations. Hein. Et, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans chacune de ces équations, en fait, j'en ai 3. Parce que j'ai 3 coordonnées. Les vecteurs A, et, enfin, A, B, C, et A étoile, B étoile, C étoile sont définis par des coordonnées à trois dimensions. Donc, ce qui nous donne un tas d'équations, c'est en général pas facile à répondre, enfin, à résoudre ces systèmes d'équations. Alors que là, on a une équation vectorielle, ça va être bien plus simple. Donc, si vous êtes à trois dimensions et que vous n'avez pas un cube, voilà, c'est ça. Maintenant, si vous êtes à deux dimensions et que, ou que vous êtes à trois dimensions et que vous avez un cube, ça reste simple à utiliser. Donc, Nessariel et MFOG, je vois aussi que vous avez répondu à la question. Donc, congratulations. Alors, par exemple, calculons le réseau réciproque d'une maille cubique simple. Donc, c'est un exemple. Donc je vais prendre une maille, donc définie par ses vecteurs de base A, B et C. Je ne suis pas sûr qu'ils soient directs, mais bon, c'est pas grave. Donc je prends la première équation, enfin je prends ces deux équations-là. Donc si je dois calculer, si je dois calculer A étoile. Alors A étoile est par définition perpendiculaire à B et perpendiculaire à C. Donc si je regarde, A et B sont comme ça, B et C sont comme ça, pardon. Donc A étoile est perpendiculaire à B et perpendiculaire à C. Donc A étoile est comme ça. Il est parallèle à A. Comme A étoile est parallèle à A, j'ai A étoile scalaire A qui est égal à 2π, qui est égal à la norme de A étoile que multiplie la norme de A, car ils sont parallèles. Et, le cosinus entre les angles, entre les vecteurs A et A étoile vaut 1. Donc ça vaut 2π. Et donc par conséquent, A étoile vaut 2π sur A. Donc cette longueur-là, là, dans l'espace des vecteurs d'onde, donc dans le réseau, dans l'espace réciproque, vaut 2π sur A. Par permutation circulaire, on a un cube, hein, donc les trois directions de l'espace sont totalement équivalentes. B étoile est comme ça, et C étoile est comme ça. Et donc je forme un réseau. Je forme un réseau cubique
Et ça va être une des propriétés, une des premières propriétés du réseau réciproque. C'est que la symétrie du réseau réel et du réseau réciproque sont communes en fait. Donc un réseau cubique, réseau réel cubique, va me donner un réseau réel, un réseau réciproque cubique. Un réseau réel hexagonal va me donner un réseau réciproque hexagonal. Et par exemple, comme la figure de diffraction nous permet de visualiser le réseau réciproque, en faisant la diffraction, on peut avoir une information sur la symétrie de notre réseau réel. Ça, c'est extrêmement, extrêmement utile. Un autre exemple, peut-être à deux dimensions, je vais prendre un réseau rectangulaire. Un réseau rectangulaire. Donc là, on va dire, j'ai A. Ici, j'ai B. Et je dois calculer que vaut le vecteur A étoile. Alors, par définition, mon vecteur A étoile, il est perpendiculaire à B. Donc, mon vecteur perpendiculaire à A, pardon. Donc, B étoile est perpendiculaire à A. Donc, il est comme ça. Et avec le même raisonnement, je peux montrer que B étoile. Non, je vais le faire. Tiens. B étoile B est égal à 2π. Et donc, B étoile vaut 2π sur B. Donc, cette longueur-là, là, elle vaut 2π sur B. Maintenant, mon vecteur A étoile, il est perpendiculaire à A. Donc, mon vecteur A étoile est comme ça. Alors pourquoi je le dessine plus petit que mon vecteur A? Parce que A étoile est égal à 2π sur A. Donc pareil, hein, A étoile A est égal à 2π, et donc A étoile est égal à 2π sur A. Si A est plus grand que B, A étoile est plus petit que B étoile. Donc voilà mon réseau réciproque de mon réseau rectangulaire. Alors après, en TD, vous allez faire le calcul du réseau réciproque d'un réseau hexagonal, par exemple. Ça vous permettra de faire des calculs un petit peu plus compliqués. Donc, ce que je disais là, hein, c'est que si A... Ce qu'on observe, c'est que si A devient plus grand, A étoile devient plus petit. Donc ça, c'est une des propriétés de ce réseau réciproque, et c'est ce qui vous a été montré dans la vidéo au tout début de ce cours, c'est que quand j'ai une dilatation de mon réseau réel, je vais avoir une contraction de mon réseau réciproque. Voilà. Donc, une fois que j'ai défini ces vecteurs de base, je peux définir un vecteur du réseau réciproque comme une combinaison linéaire entière de vecteurs de base du réseau réciproque. Cette combinaison, je vais la noter comme ça. Et donc en général, on va noter G de HKL comme ça. Donc c'est un vecteur HKL, un vecteur G de HKL, qui me fait passer d'un, par exemple, je vais le dessiner ici, de ce nœud du réseau réciproque à ce nœud du réseau réciproque, je vais avoir un vecteur, en l'occurrence, G de 1, 0. Ici, je vais avoir le vecteur G de 0, pardon, de 1, 1 ici, et de 0, 1. Puis si je vais là, je vais avoir G de 1, 0. Donc c'est totalement équivalent à ce qu'on a vu dans le réseau réel. Donc je peux passer d'un nœud du réseau réciproque à un autre nœud du réseau réciproque par une translation d'un vecteur du réseau réciproque que je note comme ça. Donc HKL
et L appartiennent à Z, sont donc des entiers relatifs. Hop. Totalement équivalent à la définition d'un réseau réel. Alors, on peut vérifier la propriété, enfin la définition du réseau réciproque. Hein, je vous ai dit que exponentielle de I, G, T est égal à 1. Donc, si je calcule ça, exponentielle de I, G, T est égal à 1, vérifions que exponentielle de I, GT est égal à 1. Alors, donc G s'écrit comme H A étoile plus K B étoile plus L C étoile et T, il s'écrit comme U A plus VB VB plus WC. Et donc la question, c'est quand je prends le produit scalaire entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je fais le produit scalaire entre les deux. Alors, bah, je vais distribuer ce terme-là avec ces trois termes. Donc je vais avoir H, H, A étoile, alors H, U, A étoile, A, plus HV A étoile V plus H, donc ce terme-là avec ce terme-là, W A étoile C. Et j'ai trois termes comme ça. Donc j'ai K U B étoile A plus K V B étoile B plus K W B étoile C. Puis le dernier terme, L W C étoile C. Pardon, pourquoi je vais dans ce sens? L U C étoile A plus L, j'ai vraiment envie d'écrire ça, L, V, C étoile B plus L, W, C étoile C. Donc là, j'utilise la propriété du produit scalaire, hein, qui je peux sortir les constantes du produit. Et j'arrive à cette somme de 9 termes. On va voir que beaucoup de choses s'annulent très vite. Alors, A étoile scalaire B, ça c'est la propriété de ces vecteurs. Hein. A étoile scalaire B est nul. En fait, le seul terme non nul, c'est A étoile A, scalaire A. Donc ça c'est nul, et ça c'est nul. Ici, B étoile A c'est nul, B étoile C c'est nul, et C étoile A est nul, C étoile B est nul. Donc il me reste trois termes. Ça, ça vaut 2π. Ça, ça vaut 2π. Et ça, ça vaut 2π. Ça, c'est les... Et donc, G scalaire T vaut 2π facteur de HU plus KV plus LW. K, U, enfin H, U, K, V, L, W sont des entiers. Donc la multiplication d'entiers et la somme des entiers, hein, ça forme, je ne sais plus si c'est un groupe ou un corps, je ne sais plus. Mais en tout cas, la somme, enfin le résultat de ça est un entier, que je vais appeler N par exemple. Donc ça, c'est un entier. Donc si je maintenant je calcule exponentielle de IGT, j'ai donc exponentielle de I de pi N. Et ça, ça vaut 1. Ouais.
cercle trigo, dans les complexes, je fais n fois le tour. Donc je me retrouve toujours ici, et ça vaut 1. Voici, pour rappel. Donc on a vérifié la définition du réseau réciproque, c'est-à-dire que ce qu'on a vérifié, c'est que on a une définition qui est la suivante, exponentielle de i, gt, scalaire 1, et quels sont les vecteurs g qui vérifient cette équation? Ces vecteurs g sont les vecteurs définis dans une base, qui est cette base A étoile, B étoile et C étoile. Ah, je vais y arriver, MFOC. Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Hein. Je pense que vous dites, pouf. J'ai pas choisi effectivement les vecteurs, enfin les noms HKL par hasard. Et on va voir que les vecteurs du réseau réciproque nous permettent de définir aussi les familles de plans définies par ces indices de Miller HKL. Et donc, on va voir ça tout de suite. Donc, très bonne question. J'y arrive exactement maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je vais m'intéresser aux propriétés de ce réseau réciproque. Alors, la première propriété, c'est que le vecteur G de HKL, donc défini par H A étoile plus K K B étoile plus L C étoile avec H K L entier est un vecteur normal au plan. Alors je mets bien plan avec un S, parce que c'est à tous les plans de la famille de plans HKL. Donc ça, c'est la première propriété. Donc, je vais dessiner un cube. Hop. Je vais définir un plan. Par exemple, je prends cela. Tac. Donc je vais mettre A comme ça, B comme ça, et C comme ça. Le vecteur G est perpendiculaire à tous ces plans. Donc j'en ai un autre ici. C'est marrant, mon crayon, quand je passe sur du rouge, la couleur change. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si c'était le mélange d'encre. Voilà. Hop. C'est un phénomène assez bizarre. Donc tous ces plans-là, je peux définir un vecteur. Et ce vecteur, il est normal à cette famille de plans. Je peux vous le montrer à partir d'exemples. Je ne vais pas vous faire la démonstration rigoureuse. Je vais juste partir d'exemples. Mais avant ça, je vais vous donner la deuxième propriété qui me semble intéressante, c'est que la distance interréticulaire, donc la distance entre ces plans, est égal à 2π sur la norme de G de HKL. Ça, c'est HK. Voilà la deuxième propriété. Et vérifions, entre guillemets, démontrons en vérifiant des cas simples que ces deux choses sont vraies. Alors, je prends le premier plan. Qui peut me dire quels sont les indices de Miller de cette famille de plans que j'ai dessinée.
C'est ça. C'est la famille de plans 1, 0, 0. Parfait. Et quelle est la distance interréticulaire? 1, 0, 0. Ouais, parfait. Quelle est la distance entre ces plans? Parfait. Donc la distance interréticulaire, c'est 1. Donc vérifions maintenant. Ce que je dis, c'est que j'ai de 1, 0, 0, hein, qui est défini par une fois A étoile plus 0 fois B étoile plus 0 fois C étoile. Ce que je dis, c'est que ce vecteur-là est perpendiculaire au plan 1, 0, 0. Vérifions. G de 1, 0, 0, bah finalement c'est juste le vecteur A étoile. Nous sommes dans un cube. Ce que j'ai vu, c'est que je peux dessiner mon réseau réciproque ici à côté. Hein. En fait, je devrais même mettre le même norme que mon vecteur G là. Voilà. Hop. Ce qu'on a vu, hein, c'est que le vecteur A étoile, il est parallèle à A. Le vecteur B étoile, il est parallèle à B. Et le vecteur C étoile est parallèle à C. Hein, donc c'est le calcul qu'on a vu. Donc mon vecteur G de 1, 0, 0, c'est ce vecteur-là. C'est ce vecteur-là. C'est le vecteur A étoile. Ça, c'est mon vecteur 1, 0, 0. Et donc, on observe bien hein, que ce vecteur G de 1, 0, 0, bah, il est perpendiculaire à la famille de plans 1, 0, 0. Donc ça, c'est A étoile. Or, A étoile est perpendiculaire, est parallèle à A, pardon. Donc, G de 1, G de 1, 0, 0 est perpendiculaire au plan. Donc on a vérifié cette première propriété. La deuxième propriété, c'est que la distance interréticulaire, c'est la norme de ce vecteur. Alors calculons la norme de ce vecteur, G de 1, 0, 0. C'est la norme de A étoile. Et on a déjà calculé la norme de A étoile, ça vaut 2 pi sur A. Et donc, la distance interréticulaire, c'est 2π divisé par la norme de 1, 0, 0, ce qui me donne 2π divisé par 2π sur A, ce qui me donne A. Voilà pour la vérification de cette deuxième propriété. Donc ça fonctionne. Alors on va faire un deuxième exemple, histoire de s'assurer qu'on a bien compris. Je vais prendre ces plans-là. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner les indices de Miller de ces plans ainsi que la distance interréticulaire de cette famille de plans? Ouais, 1, 1, 0 et la distance interréticulaire? A racine de 2. Ouais. C'est la demi-diagonale de ce carré, ici, là. Donc, on a le 1, 1, 0, et la distance interréticulaire, c'est A sur racine de 2. Bravo, Véris. C'est parfait. Donc, faisons le calcul. Donc, la première chose, c'est, première propriété, c'est que vérifions que le vecteur 1, 1, 0 est bien perpendiculaire à ce plan. Donc le vecteur 1, 1, 0, il est défini par une fois A étoile plus une fois B étoile plus 0 fois C étoile, ce qui nous donne le vecteur A étoile plus B étoile. Donc je vais le dessiner ici. A étoile plus... Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait?
Ouais, non, c'est pas le plan 1-0-0 que j'ai fait. C'est pas le plan 1-1-0 ici. C'est le plan. C'est le plan 1-1-0. Donc je vais. Donc c'est le plus. Ce qu'il faut regarder, hein, le Gveris, c'est que ici, il faut regarder à quel endroit coupe le plan. Il le coupe en A égale à 1 et il le coupe en B moins 1. Donc il est en. Il est. Ça, c'est le plan 1 moins 1, 0. Alors, ça marche très bien, mais je vais prendre le cas plus simple. Je vais refaire le dessin. Vous pourrez vérifier hein, que le vecteur A étoile moins B étoile est perpendiculaire à ce plan que j'ai dessiné juste au-dessus. Un bon entraînement. Mais par souci de simplicité, je vais refaire mon dessin. Donc là, j'ai A étoile. Enfin, j'ai A, pardon, B et C. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce plan 1, 1, 0. Donc là, il coupe bien A en 1 et B en 1. Et il est parallèle à C. Donc, c'est ces plans-là. Et donc, cette distance interréticulaire, elle vaut A sur racine de 2. Donc, ce que j'ai dit, c'est est-ce que A étoile plus B étoile est perpendiculaire? Bah oui, si je dessine ce vecteur A étoile plus B étoile, c'est ce vecteur-là. Donc ça, c'est le G de 1, 1, 0. Et si je le dessine maintenant dans le réseau réel, bah c'est un vecteur qui est comme ça. G de 1, 1. De 1, 1, 0. Voilà. Donc il est bien perpendiculaire. Deuxième propriété. Est-ce que la norme de ça me donne bien 1 sur racine de 2? Enfin, donc on va calculer la norme de G de 1, 1, 0. Donc il faut que je calcule la norme de A étoile plus B étoile. Alors si je regarde ici, bah c'est pareil, hein, c'est la diagonale d'un carré hein, de norme A étoile. Donc la diagonale d'un carré, c'est racine de 2, norme de A étoile. Or, A étoile a pour norme 2π sur A. Voilà. Et donc si maintenant je calcule la distance interréticulaire en disant que c'est 2π sur la norme du vecteur G de 1, 1, 0. Voilà ce que j'obtiens. Donc 2π sur 2π racine de 2 sur A, ce qui me donne A sur racine de 2. Donc voilà pour les propriétés. Alors la dernière chose. C'est que je peux le calculer pour un cube. Donc un cube, si je calcule la norme G de HKL, c'est la racine carrée de H2 A étoile carrée plus K2. B étoile carré. B étoile carré. HKL. C étoile carré. Hein. Ça, c'est la norme du vecteur G de HKL. Parce que tous d'accord pour là-dessus. Que A étoile, on a vu que ça valait 2π sur A. Donc ce truc-là, je peux mettre 2π sur A en facteur. Qui me donne racine carrée de H2 plus K2 plus L2. Et donc, la distance interréticulaire pour un cube, hein, quel que soit HK et L, c'est 2π sur
2 pi sur a, racine carrée de h2 plus k2 plus l2. Et donc ça, ça vaut a sur racine carrée de h2 plus k2 plus l2. Donc, alors ça, c'est intéressant parce que déjà, ça vous montre la formule, pour ceux qui ont fait les TP de diffraction, la formule qu'on vous donne dans le TP. Voilà, c'est celle-ci. Donc maintenant, vous voyez d'où ça vient. Et ce qui, pour moi, est absolument pas fascinant, je ne vais peut-être pas exagérer, mais intéressant, c'est que si vous avez ou cherchez les distances interréticulaires de ces familles de plans et que vous raisonnez dans le réseau réel, bah, il faut déjà déterminer l'équation de ces plans. Alors, ce n'est pas très, très compliqué, mais ça se fait. Ensuite, vous devez chercher la normale à ces plans, puis calculer l'intersection de ces normales au plan avec les plans suivants, et ensuite calculer la distance entre ces points. Donc, c'est un calcul extrêmement chiant, c'est bien le mot, à faire. Si vous, en passant dans un autre espace, cet espace c'est le réseau réciproque, hein. En passant dans un autre espace, le calcul de ces distances entre ces plans interréticulaires, c'est simplement la norme d'un vecteur. Donc c'est un truc, c'est extrêmement simple à faire, c'est quelque chose qu'on a appris à faire depuis des années. Donc voilà à quel point cet espace est important, parce que ça va nous simplifier extrêmement les calculs, et que si on devait décrire les propriétés en restant dans le réseau réel, ça deviendrait un véritable casse-tête. Donc voilà pourquoi on fait ça. Donc je vais faire une petite pause. Il est 9h23, donc on va reprendre à 9h30. À tout de suite.
Bon, j'espère que vous avez fait une bonne pause. Moi, je me suis mangé un petit truc, quelque chose. Alors, très bien. Donc, je vous ai défini le réseau réciproque, ses propriétés. Donc, propriété du réseau réciproque, c'est que ces vecteurs sont perpendiculaires au plan HKL et leurs normes me donnent les distances interréticulaires. Donc ça, c'est cette propriété. Alors, la même manière que dans un réseau réel, dans une maille réelle, on va définir les nœuds d'une maille réelle par ces vecteurs de translation T. Par exemple, ici, UV, W. Ce n'est pas le seul intérêt du réseau réel. UA plus, etc. Ce n'est pas le seul intérêt du réseau réel. Le réseau réel, ça me permet aussi de définir la position. Ah mince, peut-être que je vous montre ce que je fais. Sinon, ça va pas marcher. Voilà, donc là, c'est mon réseau réel avec les nœuds, hein, du réseau. Et ce n'est pas le seul intérêt de ce réseau réel. Le réseau réel, on se rappelle, hein, c'est que ça nous permet aussi de définir le motif. Le motif dans le sens, si par exemple j'ai un atome, hop, mettre un atome ici en rouge, là, je peux définir la position de cet atome par un vecteur pardon, x a plus y JB plus Z, J. C'est donc mon atome J, là, dans cette maille, il est défini par ses positions X, X, Y et Z. Parce que j'ai défini une maille. J'ai défini une base de ce réseau réel. Alors, du coup, à quoi ça va me servir un petit peu ce réseau réciproque? Bah, je vais pouvoir aussi définir des points dans ce réseau. Alors, faire mon réseau réciproque là. Donc on a vu que les nœuds de ce réseau réciproque sont définis par des vecteurs. Par exemple celui-ci, G de HKL. Donc ça c'est ce qu'on appelle le réseau réciproque. Mais à quoi correspondent ces points ici? Par exemple ce point-là, là. À votre avis, donc ce point, hein, je pourrais le décrire, par exemple. Ça vous laisse réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait représenter. Ce point-là, je vais pouvoir le définir par une position. Oh, ça m'embête de mettre la lettre parce que vous allez trouver tout de suite. Mais en tout cas, ça va être une combinaison linéaire, pas linéaire, une combinaison linéaire, mais pas entière, de ces vecteurs. A étoile, B étoile, oups, B étoile et C étoile. Ouais. Vous voyez ce point-là, vous pouvez le décrire par ses coordonnées dans cet espace. Cet espace, c'est ce que je vais appeler l'espace réciproque, de l'espace réel. Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que pourrait représenter ce point dans cet espace? Donc on a vu hein, les... Alors, Kylian, la position des pics de diffraction. La transforme de Fourier. Okay. Donc Kylian, la position des pics de diffraction, ce qu'on a vu, c'est que le vecteur pour avoir diffraction, je vais le noter ici. Il faut que mon vecteur Q soit égal à un vecteur du réseau réciproque. Donc, là où il y a diffraction,
C'est quand mon vecteur Q, il est là, ou là, ou là, et où toutes ces combinaisons linéaires. Donc là, le point que je mets, c'est un point qui n'est pas sur un nœud. Ouais, donc non, du coup, exactement. Alors la transformée de Fourier, alors oui, la transformée de Fourier, ce réseau réciproque, ce qu'on a observé, c'est que c'était la transformée de Fourier du réseau réel. Par conséquent, effectivement, le point que j'ai ici est, correspond à la transformée de Fourier de l'espace réel. Mais qu'est-ce que ce point me permet de représenter? Qu'est-ce que je peux définir? Personne n'a l'idée. Alors je vais noter, je vais l'écrire, et puis comme ça, ça va vous donner une. Donc ce point-là, hein, ça va me définir ça. Alors, ce n'est pas RJ, parce qu'on est dans l'espace. On est dans l'espace réciproque. Avec cette fois-ci K1, K2 et K3 qui appartiennent à R. Donc, qu'est-ce que je suis en train de décrire là avec un point de ce réseau réciproque? Donc, dans le réseau réel, hein, un point dans mon réseau réel, ça définit la position d'un atome. Un point dans mon réseau réciproque, ça définit quoi? Enfin, dans mon espace réciproque. La périodicité du motif. Non. C'est pas forcément lié à l'atome. Hein. C'est pas forcément que ces deux trucs-là soient reliés. Hein. Au contraire, d'ailleurs. D'une manière générale, je parle. Que représente ce vecteur K? Pourquoi j'écris K en fait? Ouais, c'est un vecteur d'onde en fait. C'est une onde. Ça me permet de décrire des ondes. C'est l'espace réciproque. Me permet de décrire une onde. Que ce soit un phonon, que ce soit un électron, un photon ou n'importe quelle onde que vous pouvez imaginer, un skirmion, une paire de Cooper, ce que vous voulez. Quand vous allez décrire cette onde, vous pouvez la décrire dans ce réseau réciproque. Pas forcément dans la maille élémentaire, hein. Ça peut être là, ou là-bas, ou là, peu importe. Mais ça vous forme une base pour vos ondes. Et c'est le principal intérêt de ce réseau réciproque, c'est de former cette base. Alors, comme dans tout réseau, on peut définir une maille élémentaire. Et cette maille élémentaire, c'est ce qu'on appelle la zone de Brillouin. Donc la zone de Brillouin. Donc, je ne sais plus quel numéro c'est, ça doit être 3 ou 4. 3 peut-être. Une zone de Brillouin. Donc la zone de Brillouin, c'est la maille primitive. De votre réseau réciproque. Alors, c'est pas n'importe laquelle, parce que ce qu'on a vu hein, pour le réseau réel, c'est que la maille primitive, c'est un choix que vous avez. Vous pouvez définir comme vous voulez la maille primitive. La zone de Brillouin, c'est une maille primitive bien particulière.
La définition. Alors, écoutez bien, parce que vous s'accrochez. La première zone de Brillouin, je vais vous le lire, est centrée à l'origine du réseau réciproque. Je vais faire à une dimension. Donc j'ai un réseau réciproque, j'ai mes nœuds. Je vais mettre A étoile. Parce que ce n'est pas forcément. A étoile, deux fois A étoile, moins A étoile, moins deux fois A étoile, etc. Donc c'est une zone centrée à l'origine du réseau. Donc l'origine, c'est ici. En général, on note O avec une petite étoile aussi. Tous les points de l'espace réciproque plus proches de l'origine que d'autres nœuds du réseau réciproque forment la première zone de Brillouin. Donc je vois que Kim Jong, le vrai, la vache, qui participe à mon cours, je suis impressionné, que MatChuck37 et Jveriz ont répondu, mais c'est bizarre, en fait, j'ai l'impression de voir vos réponses trop tard sur le chat du. Mais bon, donc je suis désolé. Jveriz, MatChuck, effectivement, c'est le vecteur nombre. C'est la bonne réponse. Donc, la première zone de Brillouin est centrée à l'origine du réseau, et tous les points de l'espace réciproque plus proches de l'origine que d'autres points du réseau réciproque forment la première zone de Brillouin. Donc, par exemple, ce point-là, il est plus proche de ce point que ce point. Donc, il est dans la première zone de Brillouin. Ce point, il est plus proche de ce nœud que de ce nœud. Ce point, il est plus proche de ce nœud que de ce nœud. Et en fait, tous les points à gauche de la médiatrice entre ces deux nœuds, de ce segment, en fait, sont dans la première zone de Brillouin. Inversement, pas ce qui s'est passé. Inversement, tout ce qui est à droite de la médiatrice, je vais y arriver, à droite ici de cette médiatrice, sont dans la première zone de Brillouin. Donc la première zone de Brillouin, c'est ça. Première zone de Brillouin. Alors ça, c'est à une dimension. Alors ce qu'on remarque, hein, si à une dimension, ça vaut 2 pi sur a. Donc la première zone de Brillouin, elle est comprise entre moins pi sur a et pi sur a. Donc elle est comprise dans cette première. Donc ça, ces bornes, elles vont avoir de l'importance. On va le voir que quand on étudiera les phonons, quand on étudiera la propagation des électrons, ces choses-là vont revenir. Voilà. Donc gardez à l'esprit que la première zone de Brillouin, elle est comprise entre moins pi sur a et pi sur a. Voilà. Alors, c'est un intervalle qui comprend les bornes où les bornes sont exclues. Non, elles sont incluses. En fait, j'en sais rien. Aucune idée. Je pense qu'elles sont incluses. À mon avis, elles sont incluses, mais attendez. Suis pas sûr que ce soit très important. Donc, ouais, c'est ça. C'est une question de mathématicien, ça. J'en sais rien, moi, si c'est inclus ou pas. À mon avis, c'est inclus dans le sens où les phonons, quand on va les décrire dans la première zone de Brillouin, on va les décrire jusqu'à ce point-là. Donc, à mon avis, c'est inclus. Mais je n'ai pas de preuves mathématiques. La définition de la première zone de Brillouin probablement me le dit, mais je n'ai pas rigoureuse.
comme vous l'a demandé. Donc, je ne sais pas, pour être honnête. On peut faire le même raisonnement à deux dimensions. Alors, A2D. Yep. Donc, faire ça. Allô? Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, si, je vous entends. Je vous entends, ouais. Ouais, si, je vous entends. Ah, mais alors il y a un très très gros décalage. Je vous entends, ouais. Ouais. Donc du coup, je pense que Ouais, dans la zone si. de Brillouin, c'est inclus d'un côté et Je vous exclu de entends, l'autre pour ouais. que Donc quand du coup, je pense on que les mette la côte zone à de Brillouin, côte. plus d'un côté et exclu Ouais. de l'autre pour que quand on les mette côte à côte, ça passe tout l'espace. Probablement, ouais. Ça doit être ça. Après, Ça comme passe je vous tout dis, l'espace. c'est pas très important. Probablement, ouais. Ça doit être ça. Après, comme je vous dis, c'est pas très important. Voilà, Ça c'était doit être la ça. réponse du mathématicien. Merci. Merci. Merci pour votre réponse. C'était qui a parlé? Je ne sais pas qui a parlé. Donc merci inconnu. J'ai pas eu le temps d'aller voir sur. Donc merci inconnu. C'était J'ai pas le Valentin. temps d'aller voir sur. Valentin, bah merci C'était Valentin Valentin. Quignon. Ouais. D'accord. Alors, à deux dimensions. Ouais, au niveau du son, je pense que c'est un peu le bordel. Mais bon, j'espère que ça peut être. Pour moi, dans mon casque, c'était l'horreur, parce qu'avec les décalages, les latences entre Discord, Twitch, c'était assez catastrophique. Je ne sais pas pour vous. Donc, dans le live aussi, d'accord? Ouais, donc il va falloir que j'arrange ça. Pareil, on fera un test une autre fois. Donc, on va définir l'origine de mon réseau réciproque et comment on calcule la zone de Brillouin. Alors, j'ai dit, hein, je prends cette médiatrice. Tac, 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 tac. Entre ces deux points-là, je prends cette médiatrice, puisque c'est ce qu'il me dit. Entre ces deux points, je fais la médiatrice. Entre ces deux points, ces deux nœuds, pardon, je fais la médiatrice. L'espace entre ces deux nœuds, bah, c'est encore la médiatrice. Tac. Tac. Et tac. Donc, l'espace compris entre toutes ces droites, c'est cet espace-là. Et cette zone, c'est la zone de Brillouin, la première zone de Brillouin. Alors, c'est une maille primitive, hein, dans le sens où si je translate cette zone de Brillouin, par exemple, d'un vecteur A étoile, j'ai cette zone-là. D'un vecteur A étoile plus B étoile, j'ai cette zone-là, etc. Donc, c'est une maille primitive. Elle décrit l'espace entier. Et donc, par translation, je vais paver l'espace entier. Donc, avec cette histoire de borne, comme vous avez compris, que d'un côté, c'est borné et de l'autre, ça ne l'est pas. Pour qu'on soit sûr de ne pas compter deux fois la même chose. Mais je pense que c'est exactement la bonne réponse, parce que effectivement, un vecteur d'onde ici, c'est le même que celui-là. Donc, ça ne sert à rien de le décrire deux fois. Ok. Donc, ici, hein, j'ai pi sur a, moins pi sur a, et moins pi sur a, pour un carré. Hein. Là, je parle d'un réseau réciproque. Alors, propriété de cette zone de Brillouin. Pourquoi elle nous intéresse? Alors, c'est une propriété extrêmement importante et ça, il va falloir que vous la gardiez en tête. La propriété, c'est que, je vais la noter d'ailleurs, il y a autant de vecteurs K possible dans le sens possible dans mon cristal.
dans la première zone de Brillouin. Que de nombre de mailles dans le cristal. Alors, je vais vous le prouver. Je vais mettre à une dimension, ça va être plus simple. Donc, j'ai mon réseau périodique. Hein. Et mon cristal, il a une longueur L. Donc, la périodicité, c'est A. Donc, L, c'est N A. Je vais dire que j'ai N mailles dans tout mon cristal. Et les conditions aux limites périodiques, les conditions aux limites périodiques, hein, et on sait que quand on va décrire les propriétés des matériaux, hein, propriétés électroniques, thermiques, ou quoi, ou toutes les autres propriétés d'un matériau, les conditions aux limites périodiques sont des conditions absolument sympas. Pour décrire ces phénomènes-là. Donc, l'argument, hein, je vous l'ai donné quand j'ai décrit le modèle de Debye. Alors, exponentielle de I KL est égale à 1. Et donc, par conséquent, K, je peux le décrire comme 2π sur L que multiplie un entier, hein. Donc K c'est 2 pi sur L fois, pas un entier, oui un entier, c'est pas n'importe quoi. Et comme L vaut NA, ça me donne 2 pi sur A, N sur N, N étant, comme je disais, hein, le nombre de mailles dans mon cristal. Dans le cristal. Donc, ce que je vois ici, c'est que j'ai ma périodicité du réseau réciproque, que je peux donc noter à étoile, hein, et que je peux donc écrire K comme N sur N, à étoile. N étant un nombre entier, l'espacement entre deux vecteurs K, entre deux vecteurs K, bah c'est 1 sur N à étoile. Ma zone de Brillouin, elle a pour taille, donc la taille de la zone de Brillouin, c'est, bah elle va de moins, je vous rappelle, elle va de moins pi sur A. Pi sur A. Pardon. À pi sur A, donc sa taille, c'est 2 pi sur A. Ou c'est A étoile. Plus simple. Donc, j'ai combien de vecteurs K possibles dans A étoile? Donc, dans cette taille-là, bah, si j'ai l'espacement entre deux vecteurs, c'est 1 sur N fois A étoile, et que ma maille fait A étoile, bah le... j'en ai n possible. Donc j'ai n vecteur k dans la zone de Brillouin. Dans la première zone. Dans la première zone de Brillouin. Ce qui veut dire que tout vecteur que si je veux décrire par exemple les phonons et que voilà, je décris les phonons, je sais que je vais les décrire par des ondes, donc je vais devoir définir un vecteur k. Je sais que ce vecteur k il va être il va pas prendre toutes les valeurs possibles, hein, c'est les conditions limites périodiques. Et si je veux décrire l'ensemble des vecteurs d'ondes possibles. Alors, imaginons que j'ai un atome par maille. Si j'ai un atome par maille à une dimension, j'ai n, grand N modes de vibration. Donc j'ai besoin de n vecteurs k pour décrire les vibrations
de 7 atomes, enfin de 16 atomes. De 7... Or, ce que je remarque, c'est que dans la première zone de Brillouin, j'ai exactement n, grand N vecteur K. C'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai un atome par maille, j'ai donc et j'ai n mailles, j'ai donc grand N mode de vibration. Or, dans la première zone de Brillouin, j'ai grand N vecteur K possible. Donc, la première zone de Brillouin me permet de définir l'ensemble des ondes pour, de vibration pour ce cas-là. Donc, c'est extrêmement pratique parce que ça définit finalement une base pour toutes mes ondes. Ce qui veut dire que si j'ai un vecteur K à l'extérieur de cette zone de Brillouin, ce vecteur K, il va forcément être en double, puisque en fait, je vais pouvoir décrire ce vecteur K dans la première zone de Brillouin. Donc on verra comment on passe de la première zone à d'autres zones, qu'est-ce qui, comment on fait ça. Donc ça, c'est la première propriété. J'ai une question pour vous. Donc comme je disais, hein, si j'ai un atome par maille, j'ai donc n modes de vibration, j'ai k vecteurs, enfin j'ai n vecteurs k dans la première zone de Brillouin, donc ça définit l'ensemble des modes de vibration. Maintenant, que représente k? Non, plutôt, ouais, ma question, ça va être, qu'est-ce qui se passe si j'ai deux N atomes? Enfin, si j'ai deux atomes par maille. Comment vous allez décrire ça? Donc ça, c'est ma question. Je ne vais pas y répondre tout de suite. On verra ça. Ça fera l'objet du prochain cours. On discutera de. On va s'intéresser maintenant dans le prochain cours aux vibrations. Donc on va refaire un petit peu le modèle de Debye, mais là vraiment de manière sans toutes ces hypothèses qui nous dérangeaient. Là, on va faire vraiment ça de manière très rigoureuse. On verra que si on veut décrire ces vibrations, on va les décrire dans la première zone de Brillouin. On essaiera de comprendre la notion de branche. On verra qu'il peut y avoir plusieurs branches pour décrire les vibrations dans un cristal. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, hein, c'est qu'on a vu la définition du réseau réciproque. On a vu comment on le calcule, comment il est défini. Alors mathématiquement, on a vu ses propriétés, en particulier que un vecteur du réseau réciproque est un vecteur qui va être perpendiculaire à la famille de plans HKL, et que la norme de ce d'un vecteur du réseau me donne les distances interréticulaires. Ensuite, on a vu que ça forme forcément, on a cette base d'un réseau, mais en dehors du réseau, donc en dehors des nœuds, il y a quand même ça forme quand même un espace réciproque, et que chaque point de cet espace réciproque va me permettre de décrire des ondes, que ce soit des phonons, des photons, etc. La dernière chose, c'est que tous les points à l'intérieur de cette zone de Brillouin ne sont pas permis, que les conditions limites périodiques me définissent des positions particulières à l'intérieur de cette zone de Brillouin, et ce calcul-là, c'est que, en l'occurrence, si j'ai n mailles, je vais avoir n vecteur k possible. Voilà. Donc, le prochain cours, on va voir les phonons, et puis on sait ce qu'on va décrire dans cette réseau réciproque. Alors il y a plein, plein, plein d'autres choses que j'aurais voulu développer. C'est mathématiquement parlant, là je vais parler à Kylian. Ce qu'on observe, hein, c'est que on a fait ce calcul déjà la semaine dernière. Au dernier cours, ce qu'on a vu, c'est que le réseau réciproque, c'est la transformée de Fourier du réseau réel. Mais ce qui est très intéressant aussi d'un point de vue mathématique, je dirais,
c'est que c'est le dual du réseau réel. Et que c'est un dual un petit peu particulier, que ces vecteurs du réseau réciproque, en fait, ce sont pas des vecteurs réellement, ce qu'on appelle des covecteurs. Et justement, les propriétés de ce dual par rapport au réseau réel, enfin, la manière dont c'est défini va nous amène très très naturellement à la notion d'interférence constructive et donc à la condition de diffraction, à savoir que le vecteur Q doit être un vecteur du réseau réciproque. Enfin, c'est des choses que j'aurais pu développer qui sont peut-être plus intéressantes d'un point de vue, je dirais, plutôt un peu mathématique, parce que le réseau réciproque est une construction mathématique, hein, mais cette construction mathématique, elle est très très réelle, dans le sens où on peut l'observer, et on l'observe tout le temps, dès qu'on envoie des ondes, que ce soit du rayonnement X, on l'observe, mais n'importe quelle onde a son existence, a sa réalité dans ce réseau réciproque. Donc, je me rappelle l'année dernière, j'avais eu cette question d'un étudiant qui me demandait à quel point ce truc-là était réel. Il est aussi réel que la réalité, en fait. Donc, voilà. Et on verra des exemples dans les prochains cours, à quel point ce réseau-là est un réseau aussi réel que le réseau réel. Donc j'ai une question de MFoC et je terminerai là-dessus. Pourquoi on fait l'hypothèse que A étoile est collinaire à A pour la zone B? Ce n'est pas tout le temps possible, par exemple, pour un hexagone. Non. Non. Donc là, pour mon cours, hein, à chaque fois que j'ai les exemples que j'ai pris le réseau carré, le réseau cubique, qui sont donc qui ont pour propriété d'avoir les vecteurs de base de leur réseau réel perpendiculaire l'un par rapport à l'autre. Par conséquent, quand on calcule le vecteur A étoile, on sait qu'il est perpendiculaire à B. Et donc, comme A est perpendiculaire à B, A étoile est collinaire à A. J'ai fait la même chose pour le rectangle. Donc, oui, j'ai pris des cas particulier, simple. Effectivement, dans le cas hexagonal, on a, c'est pas le cas. A étoile n'est pas collinaire à A. Donc ça, c'est des choses que vous allez faire en TD. Voilà, moi, l'objet de mon cours, c'est plus de vous illustrer les choses de manière simple. Après, charge à vous en TD de faire tous ces calculs bien rigoureux. Bien fastidieux que moi j'ai fait quand j'avais votre âge. Donc là, maintenant, c'est à vous de le faire. Moi, ça me rajoute pas plus. Parler de l'hexagonale dans mon cours, ce serait un petit peu trop compliqué. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est à quel point ce réseau réciproque est important et quelles sont ses propriétés et à quoi ça sert. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, et puis on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.